Les lettres que je vais utiliser ici sont des abréviations pour les différentes bases qui constituent une séquence d'ADN. Donc, disons que notre séquence est la suivante thymine, thymine, cytosine, guanine, cytosine, thymine, adénine, thymine, thymine et encore une thymine. Voilà donc notre séquence d'ADN qui va être transcrite en ARN. Quelle est la séquence d'ARN correspondante, justement si tu te souviens comment faire, n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause et à essayer de la découvrir par toi-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ADN, les bases s'apparient d'une manière spécifique. L'adénine s'associe à la thymine et la cytosine s'apparie avec la guanine. C'est la même chose pour l'ARN, sauf qu'il n'y a pas de thymine et à la place on a de l'uracile. Donc, si on transcrit cette séquence d'ADN en ARN, la thymine de l'ADN correspond à une adénine dans l'ARN. Puis, on a adénine, guanine, cytosine, guanine, adénine et juste là, puisqu'il s'agit d'un brin d'ARN, au lieu d'avoir une thymine en face de l'adénine, on aura un uracile. Puis on termine avec les bases adénine, adénine et encore adénine. Donc, le processus qu'on vient de réaliser, c'est la transcription de l'ADN en ARN. Maintenant, si on considère l'ensemble des processus qui font que cette information a un effet sur notre corps, l'étape suivante part de l'ARN et le traduit en protéines. On a vu dans d'autres vidéos comment on procède. Il faut lire l'ARN par l'eau de trois bases, donc par codon, et chaque codon encode un acide aminé particulier. Pour savoir pour quel acide aminé il code, on utilise une table de traduction. Et il en existe différents types. Voici le type le plus commun. Donc la première base ici est un A, la deuxième est un A, et la troisième base est un G, ce qui encode la aminé lysine que l'on écrit LYS, donc lys en abrégé. C'est la même chose avec un autre type de table de traduction. Par exemple, il existe des tables circulaires comme celle-là, qui donnent exactement le même résultat. Le codon AAG, en commençant par le centre. AAG, code pour la lysine. Ensuite, on traduit le codon suivant. Et si cela t'amuse autant que moi, je t'encourage à mettre cette vidéo en pause et à poursuivre la traduction. Le codon suivant est CGA. CGA, cela donne une arginine. Et le codon suivant est UAA. UAA correspond à ce petit point noir circulaire. Mais qu'est-ce que cela veut dire Ce symbole... Indique en fait un codon d'arrêt ou codon stop. Donc je note un stop. Et comme tu le sais, il n'y a pas d'acide aminé nommé stop. C'est en fait un signal qui indique au ribosome que le processus de traduction doit s'arrêter et que c'est la fin de la chaîne d'acide aminé, donc de notre chaîne polypeptidique. On va donc s'arrêter là pour la traduction. Imaginons maintenant des situations où il y a des mutations au niveau de la séquence d'ADN. Certaines bases peuvent donc être supprimées ou substituées, tandis que d'autres bases peuvent être insérées dans la séquence d'origine. Commençons par ce que l'on appelle une mutation ponctuelle. Disons que ce C est remplacé par un A. Si cela se produit, on obtient sur le brin d'ARN un uracile. Et si c'est un uracile, ce codon AAG ne change pas, et code toujours pour la lysine, mais c'est le deuxième codon qui est modifié. Mais pourquoi code-t-il maintenant Eh bien, CUA. CUA encode une leucine au lieu d'une arginine. C'est assez classique pour une mutation par substitution. Elle peut modifier un acide aminé donné et parfois avoir un effet plus significatif. Par exemple, si ce G est remplacé par un A, alors ce C sur l'ARN devient un U. Le premier codon codera toujours pour la lysine, mais le second devient UGA. Et UGA se traduit par un codon stop, qui arrête le processus de traduction. Ce qui peut être très grave si cette séquence d'ADN encode un polypeptide, qui, sous sa forme non mutée, est encore long et nécessite que la traduction se poursuive. Ici, il se trouve qu'il y a un codon stop juste après. Mais imagine qu'il y ait encore un millier de codons avant la fin, et que tout d'un coup, une mutation ponctuelle provoque l'arrêt prématuré de la traduction et affecte donc significativement la taille finale de la protéine qu'elle encode. Prenons maintenant un autre type de mutation, qui a généralement un effet assez important. Il s'agit d'une mutation du cadre de lecture, où une base est insérée ou supprimée, ce qui décale tout. Donc, par exemple, au lieu que l'on échange un A contre un G, que se passe-t-il si on insère un A, juste ici Eh bien, notre séquence va ressembler à ça. TTC, puis on a un A. Et ensuite, on a GCTATTT. -T -T -T. Donc, en orange, c'est notre séquence originale. Mais, on y a inséré un A juste ici, sans remplacer le G, ce qui a tout décalé vers la droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on code Eh bien, quand on transcrit cet ADN en ARN, cela donne AAG, UCG, A, AA. Et le premier codon code toujours pour la lysine, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais qu'en est-il du second codon Le second codon est maintenant UCG. Et UCG, c'est la sérine. Donc, on a un acide aminé complètement différent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement un acide aminé qui change, comme on va le voir. Si on continue à traduire la séquence, on a AUA, qui encode une isoleucine, alors qu'avant, on avait un codon stop et la traduction va se poursuivre encore et encore. Comme tu peux l'imaginer, une mutation du cadre de lecture qui insère ou retire une base peut décaler complètement le cadre de lecture et avoir un impact dramatique sur ce qui est transcrit et ensuite traduit. Heureusement pour nous, même si des mutations ont lieu en permanence dans les systèmes biologiques, il existe de nombreux mécanismes de relecture qui diminuent leur fréquence, et de nombreux chercheurs tentent encore de comprendre comment fonctionnent exactement ces mécanismes. Il faut également savoir qu'on associe en général les mutations à quelque chose de mauvais, de néfaste. Et c'est souvent le cas. Une protéine qui à l'origine était fonctionnelle peut ne plus l'être parce que la traduction s'est arrêtée nette et qu'il lui manque des acides aminés. Ou bien parce qu'il y a eu une mutation du cadre de lecture qui encode des acides aminés complètement différents. Donc, parfois cela peut être très mauvais, et certaines maladies sont en fait causées par des mutations comme celle-là. Mais souvent, la mutation n'est pas très grave. Quelque chose est échangé, un seul acide aminé est modifié, et cela n'empêche pas vraiment la protéine de faire son travail. C'est donc une mutation qui a peu d'importance. Mais, de temps en temps, une mutation peut être bénéfique. En fait, les mutations permettent d'introduire de la diversité au sein d'une population. Et la diversité, comme tu le sais, est à la base de la sélection naturelle et de l'évolution. Sans variation, il n'y aura pas de caractères différents à sélectionner en fonction de l'environnement, et on n'observera pas de changements progressifs au fil du temps. On a donc parlé dans cette vidéo de la transcription de l'ADN en ARN, puis de la traduction de l'ARN en protéines. On a aussi vu comment utiliser des tables de traduction et comment une mutation ponctuelle ou une mutation du cadre de lecture peut modifier la protéine codée.